Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, on va parler décodeur TNT vocalisé. Attention, spécial décodeur à l'ancienne, mais ça marche. Le décodeur TNT vocalisé pour toute personne en situation de handicap visuel. Vous allez avoir l'accessibilité de votre télé. Attention, pour faire fonctionner ce décodeur, il faudra avoir encore une prise antenne hertzienne, car cela ne fonctionne pas avec les box. Mais ce décodeur va vous permettre d'activer, par exemple, l'audio description. Vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses grâce à ce décodeur sur votre télé. Imaginez-vous avoir deux télés à la maison, une au salon, une dans une autre pièce. Vous avez toujours, je précise, la prise de l'antenne hertzienne. Eh bien, ce décodeur va vocaliser votre télé. On va tout d'abord déballer le package et voir ce qui se passe à l'intérieur. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir nos vidéos accessibles. Et c'est parti pour le déballage de ce décodeur TNT. Mais pour l'instant, place à l'intro. Passons au déballage de ce décodeur TNT vocalisé. On est sur une boîte valise avec une petite anse et une boîte qui s'ouvre par l'avant. Voilà, lorsque nous ouvrons cette boîte, on va tomber tout de suite sur le décodeur face à nous. Sur le côté droit, on va découvrir une télécommande très ressemblante à une télécommande de télévision classique. C'est une télécommande infrarouge équipée de deux piles triple A qui ne sont pas fournies avec le package. Ensuite, sur le haut, nous allons trouver différents câbles. On va donc trouver un câble HDMI vers HDMI puisque le décodeur se connectera sur un des ports HDMI de votre téléviseur. Nous aurons ensuite le décodeur muni d'une prise murale européenne. Avec le décodeur, vous aurez donc un petit livret entièrement écrit en français. La petite notice qui vous indiquera comment fonctionne ce décodeur. Voilà tout ce que vous allez trouver dans ce package au niveau du décodeur TNT accessible. Passons maintenant au branchement. Voici donc le devant du décodeur. Lorsque vous l'avez face à vous, sur le côté droit, en contrebas, vous allez donc rencontrer 7 petits boutons. À gauche, vous allez sentir un petit trou. C'est l'entrée du port jack, l'entrée casque. À l'arrière de ce décodeur, on va trouver différentes connexions. En partant de la droite, on a donc la connectique. On a donc ensuite une prise VGA. Juste à la gauche, en contrebas de la prise VGA, on aura donc une prise HDMI. Et ensuite, on aura donc les prises entrée-sortie antenne, antenne hertzienne. Attention, pour faire fonctionner ce décodeur, il faudra absolument que vous ayez encore une antenne hertzienne, une antenne que vous avez donc en connexion murale qui est positionnée sur votre toit. C'est une obligation, ce décodeur ne s'accorde en aucun cas aux box actuelles. Ce décodeur a été développé spécialement pour les personnes en situation d'handicap visuel pour vocaliser l'intégralité de la TNT, donc pour vocaliser votre télé éventuellement non accessible. Grâce à ce décodeur, vous allez la rendre accessible. Vous allez vocaliser l'intégralité des chaînes de la TNT. Grâce à la télécommande, avec deux grosses touches, vous allez donc pouvoir lancer par exemple seul l'audio description, car tout ce que vous allez toucher sur cette télécommande, votre télé vocalisera l'intégralité de ces touches. Ce qui est vraiment intéressant pour les personnes, par exemple des personnes en situation de handicap visuel, vivant seules et n'ayant pas de box à la maison. On branche tout de suite ce décodeur et on voit comment il fonctionne. Voilà, donc ça va être très simple. Il faudra une prise HDMI connectée à votre télé. La chose primordiale,
Il vous faudra une antenne hertzienne sur le toit et la connecter elle aussi derrière votre TNT. Voilà donc côté branchement ce que ça donne. On est donc sur l'antenne hertzienne qui est connectée derrière notre décodeur. Le câble HDMI qui est connecté derrière notre télé. On peut brancher notre décodeur TNT. Une fois ceci fait, on peut tout en haut à gauche allumer le décodeur. Nous voici donc sur le premier allumage du décodeur TNT accessible. Numéro. Il y a trois options. Trois options. 1. Indications audio pour réglage. Régler sur on. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer les réglages et continuer vers l'étape suivante. Utilisez les flèches gauche et droite pour modifier ce réglage. Bouton de navigation. Bouton flèche haut ou bas. Précédent suivant. Bouton flèche gauche ou droite. Modifier le réglage pour l'objet du menu. Bouton OK. Enregistrer les réglages et continuer. Appuyez sur la touche E pour plus d'informations. Voilà, donc comme vous avez pu entendre, la télé est maintenant vocalisée. On va donc se servir de la télécommande, des flèches directionnelles et du OK. Je vais faire flèche bas. Alors, pour vous servir de ce décodeur, il faudra toujours diriger la télécommande face à lui. Avertissement. Les batteries de la télécommande sont presque vides. Veuillez les remplacer. Appuyez sur le bouton OK pour continuer et arrêter les avertissements pour 24 heures. Appuyez sur le bouton quitter pour ignorer cet avertissement. Appuyez sur où suis-je pour de l'aide. On a une vocalisation côté télécommande si les piles sont usées. Je valide par OK. Aucun réglage effectué. Retour à 0. Il n'y a pas de signal disponible. Appuyez sur où suis-je pour de l'aide. Aucune chaîne détectée. Aucune chaîne détectée. Veuillez vérifier votre antenne et appuyer sur OK pour redémarrer la configuration. Régler. Paramètres généraux. Il y a trois options. Current option. 1. Indications audio pour réglage. Régler sur on. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer les réglages et continuer vers l'étape suivante. Utilisez les flèches gauche et droite pour modifier ce réglage. Bouton de navigation. Bouton flèche haut ou bas. Précédent suivant. Bouton flèche gauche ou droite. Modifier le réglage pour l'objet du menu. Bouton OK. Enregistrer les réglages et continuer. Appuyez sur la touche L pour plus d'informations. Je valide sur OK. Sauvegarde des modifications. Réglage. Réglage technique. Il y a trois options. Current option. 1. Régler format. Régler sur auto. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer les réglages et continuer vers l'étape suivante. Bouton de navigation. Bouton flèche haut ou bas. Précédent suivant. Bouton flèche gauche ou droite. Modifier le réglage pour l'objet du menu. Bouton OK. Enregistrer les réglages et continuer. Bouton retour. Menu précédent. Appuyez sur la touche L pour plus d'informations. Je valide donc sur OK. Sauvegarde des modifications. Réglage. Préférences. Il y a 8 options. Current option. 1. Choisir le modèle de couleur. Régler sur blanc sur bleu. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications et continuer les réglages. Bouton de navigation. Bouton flèche haut ou bas. Précédent suivant. Bouton flèche gauche ou droite. Modifier le réglage pour l'objet du menu. Bouton OK. Enregistrer les réglages et continuer. Bouton retour. Menu précédent. Donc, comme vous pouvez entendre, tout est vocalisé, tous les menus, tout ce que vous allez faire sur les menus, ça sera vocalisé par cette synthèse vocale. Je valide sur OK. Sauvegarde des modifications. Réglage. Ajustement en cours. Recherche de chaînes. Nombre de chaînes trouvées. 0. Pourcentage de progression. 0%. Il est en train de chercher les chaînes de la TNT. Et au fur et à mesure, il va vous Réglage. Dire... Ajustement en cours. Nombre de chaînes trouvées. 0. Pourcentage de progression. 14%. Et au fur et à mesure, il vous trouve toutes les chaînes de la TNT. Réglage. Ajustement en cours. Nombre de chaînes trouvées. 25. Pourcentage de progression. 32%. Tout est vocalisé. Tout est accessible. Ce décodeur TNT peut vraiment aider des personnes en situation de handicap visuel. Réglage. Ajustement en cours. Nombre de chaînes trouvées. 35.
Pourcentage de progression, 53%. 35 chaînes trouvées. Réglage, ajustement terminé. Nombre total de chaînes détectées, 40. Total de chaînes TV détectées, 40. Total de chaînes radio détectées, 0. Tu auras 3 options. Current option, 1, aller à TV. Bouton de navigation, bouton flèche haut ou bas, précédent suivant. Bouton OK, sélectionnez une option du menu. Bouton retour, menu précédent. Bouton quitter, aller à TV. Appuyez sur la touche L pour plus d'informations. Désolé de vous déranger, Sophie est là ? Oui. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va avoir la télé qui normalement non accessible, devient accessible avec ce décodeur. Donc ça c'est plutôt pas mal et elle va vocaliser l'intégralité des changements de chaîne. Vous aurez même la possibilité d'activer le mode audio description en toute autonomie puisque c'est un bouton spécial dédié sur ce décodeur. C'est vraiment pas mal du tout. Alors par exemple ici je vais mettre la 2. France 2, affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre, de 17h05 à 17h55. La 3, dans quelques minutes, nous nous intéresserons 3. De plus près. F3 Limousin, Slam, de 17h à 17h45. Dans le lave-vaisselle, l'eau chaude alliée à l'action du produit de lavage, la formule unique de finish protector, la 5, particules pour contrer cette corrosion et ainsi préserver chaque lavage. 5. Utilisez. Donc. France 5, c'est Jamy, de 16h55 à 17h30. Consolider les acquis fondamentaux. Vous avez le bouton volume et à droite le bouton pour les chaînes. Si j'augmente le volume. Volume réglé sur 60. Assuré de comprendre. 4, canal, l'info du vrai, le mag, de 12h23 à 12h55. La suite tétonique chaude star à Jimmy Fallon, de 12h55 à 13h37. J'ai donc une touche info qui me permet de savoir ce qui se passe actuellement sur la chaîne où je me trouve. J'ai donc une touche AD pour audio description qui est donc la première touche sur la deuxième rangée en partant du bas. Si je l'active. Pas de description audio pour ce programme. On vient d'entendre pas de audio description pour ce programme. Ce qui voudra dire que lorsqu'il y aura un programme accessible en audio description, vous serez capable de l'activer. Affichage de toutes chaînes. Appuyez sur le bouton TV radio pour changer le type de chaîne. 4, canal. Bouton de navigation. Bouton flèche 5, France 5. 6, M6. Si je veux aller sur M6. M6, incroyable transformation de 17h25 à 18h35. Voilà, comme vous pouvez entendre, on a l'horaire du début du programme et la fin du programme en question. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas de télé accessible, si vous n'avez pas de box, si vous êtes encore avec une antenne hertzienne, ce décodeur pourra vraiment parfaitement vous suffire. Ce décodeur pourra parfaitement vous aider dans votre vie quotidienne pour accéder à une télé accessible. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à commenter, liker, partager cette vidéo comme d'habitude. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible, bien sûr. Salut à tous !